Dis quelque chose, bébé, parce que moi j'ai pas de mots. Vas-y, zoom. Déjà. Voilà. Voilà ce qu'on vit tous les jours. Des gens bizarres. Et des comme ça, il y en a 15 par jour. De toutes sortes, hein. Il y a des mecs, je sais pas, il a l'air d'être en plein match, là. Non, mais cette place, c'est un théâtre, quoi. Tu t'ennuies jamais, en fait. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Attends, s'il arrive à enlever son pantalon. Ouais, ça y est. Ça peut durer toute la journée en plus. Putain, ça va pas me manquer, je te dis. Non, mais voilà, c'était pour vous dire ce qu'on vit tous les jours. Encore là, on part pas vers la gauche ou vers la droite, hein. Vous risquez de voir des trucs de fou. Tiens, regarde vers la droite là. Ouais, j'ai juste envie de savoir ce qu'il va faire. Moi aussi. Je suis curieuse. Ah ouais, ça me perturbe. Je vous jure, s'il se met à faire du piano, je descends, je vais faire des bolasses. A few moments later. Ça continue. Ça fait déjà combien de temps? Oh bah ça fait plusieurs heures qu'il est là. 3 heures. Au moins 3 bonnes heures, ouais. Enfin, il est là, il est plus là, il est là, il est plus là. Il revient, il se prépare. Il se prépare à quoi, vous savez pas? On ne sait pas, mais il se prépare très 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 durement. Après la brocante, elle avait commencé à 6h ce matin et qu'elle a fini à midi. Hop, ça là. Ça va là. Ça va. Ça, c'était mieux là. Après, je vais le reprendre. Non, en fait, ça va pas là. Ça va. Bon, en fait, j'ai un peu froid. Je remets mon pull. Après, elle va sentir chaud. Là, il va le mettre autour du cou. Tu vas voir. Attends, où est-ce que je le mets? Attends, où la taille ou le cou? Du coup, putain, je sais plus. Je sais plus ce que je faisais. Du coup. Attends, je parlais 40 euros sur le cou. Attends, réfléchis. Qu'est-ce que j'allais faire? Attends. Il va le reposer. Quelle heure il est? Attends, quelle heure il est? Wow. Ah, il va tout se reposer avant. Je ne sais pas. Attends, il faut qu'elle réfléchisse, bébé. Laisse-lui le temps, bébé. Je vais pas trop le laisser toute la nuit aussi. Hein. Attends, il a un truc bizarre là qui arrive. Attends, mais il faut réfléchir aussi, parce que qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Voilà, ça voilà. Va. Voilà. Voilà. Voilà, ça va mieux là. C'est un truc de ouf. Non mais on pourrait le filmer toute la journée, ça raison. Vas-y, mets ton trépied. Franchement, tu mets ton trépied après. Je vais en faire une vidéo complète. Tu mets ton trépied après, tu fais un montage. Hein. Je te jure, mais ça passe pas des 1000 vues avec toutes les conneries qu'on entend, con. Là, c'est du vrai, là. C'est pas un montage. Hein. On va pas appeler les mecs pour qu'ils fassent ça. Là. C'est la durée loin de la vie. Ah, pauvre. Putain, mais il me donne froid, ce con. Mais je sais pas ce qu'il a pris, mais... Olé. Et hop là. Pop. Ça, à mon avis, il a une carrière de footballeur, pianiste. C'est un artiste incompris, bébé, laisse-le. Ouais, il est pas compris, il fait plusieurs trucs à la fois. C'est bien compris. Faut qu'il aille manger d'abord son pull, parce que... Voilà, et il sait qu'il a fait une erreur. Voilà, autour du cou, tu vois, j'avais raison. Tu vois, finalement, il a jeté tout, mais il a mis autour du cou. Salut. Bah, ça fait un peu, ça fait quelques heures que tu l'observes, tu commences à le connaître. Hein. Moi, j'en ai mal à la tête. Il y en a des sketchers, mais alors ça, franchement, faut qu'on m'explique. Ouais. Voilà. C'est un gilet blanc, en fait, je pense. Enfin, je rigole trop fort, il va m'entendre, putain. Ouais, il t'entend pas. Il va se mouiller ou pas? Il va se mouiller. Ni sérieux, il est 8h du soir, il va se tremper encore. C'est 5 degrés. Non, mais j'y arrive pas. Sérieux ou quoi? Franchement, les gens, vous comprenez pourquoi on veut se casser, quoi. C'est pas possible. C'est de pire en pire. Hein. Je sais pas si c'est la ville qui rend les gens comme ça, mais. Bon, je mets poste. Tu m'appelles s'il fait un truc de fou. Hein. Ouais. Bon, ben voilà. Bibi avait raison. La maison Poulaga est arrivée. Mes chers amis, et je n'introduis même plus mes vlogs parce qu'il y aura probablement plus qu'un vlog par semaine, voire moins, jusqu'à temps qu'on parte. Parce que bon, là, il n'y a rien à filmer, mis à part du rangement, du tri. Et voilà, il n'y a rien de bien transcendant, donc je pense qu'on fera juste un petit vlog par semaine. Voilà.
Donc ce matin, on avait une réunion qui a duré à peu près 2 heures avec Greg. Donc une réunion, c'est une réunion Pôle emploi. Enfin là, en l'occurrence, c'était pas Pôle emploi, c'était le Greta qui organisait. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on est au RSA, on a ce qui s'appelle un suivi, hein, ou un PPAE, un plan personnalisé d'accès à l'emploi. Donc on est suivi comme ça, hein, on est pour être sûr que tu cherches bien du travail, pour être sûr que voilà quoi, que tu rentres bien dans le moule et tout ça. Donc petite réunion fort sympathique de 2 heures, donc pour apprendre que désormais mon dossier va être suivi par le Greta et non plus par le Pôle emploi directement. En fait, c'est Pôle emploi qui dispatche à différents organismes. Qui a besoin d'être suivi par qui, selon dans laquelle petite case est-ce qu'on va tous rentrer? Voilà, je sais pas si vous me comprenez, mais c'est pas. Je ne vais pas aller leur dire que pour moi travailler c'est déshumanisant, je ne vais pas aller leur dire que pour moi travailler ça me rend dépressive, je ne vais pas aller leur dire que j'aime beaucoup trop ma liberté pour être enfermée quelque part 8 heures par jour et de vendre mon âme. Non, on n'a pas le droit de dire ces choses-là dans cette société, donc. Eh ben, il faut trouver des petits subterfuges, voilà, et puis quand on est convoqué, eh ben. Bon, évidemment, je ne leur ai bien sûr pas parlé du fait que j'allais déménager au Portugal, hein, je suis pas complètement bête, je vais pas me griller toute seule. Encore heureux. Non, je ne leur dirai pas pour l'instant que je pars au Portugal, puisqu'étant donné que de toute façon, on garde l'appartement ici en attendant, hein, on n'est pas complètement fou non plus, hein, on sait ce qu'on fait. On garde l'appartement ici en attendant de pouvoir avoir monté notre projet là-bas. Parce que oui, on a un petit projet là-bas. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très 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 longtemps. Donc voilà, je vous en dirai plus bien sûr quand on y sera, quand on sera dans le vif du sujet. Mais voilà, c'est un projet professionnel qui me tient vraiment à cœur et c'est ce que j'ai envie de faire depuis toujours en fait. Voilà, ça me fait penser qu'il y a encore une chaîne YouTube. Faut que je vous parle. Je sais, je fais que de vous parler d'autres chaînes YouTube tout le temps. Mais c'est parce que les gens, ils m'inspirent trop, ils sont trop excellents. C'est Tony et ses pensées. Je vous le marque là. Tony et ses pensées, allez voir ce gars, il me fait rire, il me fait rire. Il est juste excellent, tout ce qu'il dit, mais il le dit tellement cash. Et c'est tellement tout ce que je pense. Sauf que lui, il le dit beaucoup mieux que moi. Parce que moi j'ai encore plein de filtres et j'ai encore plein de peurs et j'arrive pas encore à m'exprimer comme je voudrais. Mais lui il est cash. Alors lui il s'en bat les reins quoi. Alors vas-y, il te dit tout quoi. Allez voir franchement ses vidéos sur le travail et tout, c'est juste excellent. J'ai montré une vidéo de ce gars à Greg. Et pourtant Greg il est pas trop à regarder des vidéos sur YouTube, c'est pas son kiff. J'ai montré une vidéo de ce gars et du coup Greg il est tombé complètement fan. Il est parti regarder toutes ses autres vidéos. Il était mort de rire parce que ça se trouve que le mec en question, le Tony, c'était un fan de foot inconditionné, comme Greg. Et du coup, à un moment donné, on est tombé sur sa vidéo où il parle de son éveil spirituel. Donc encore une petite graine semée dans l'esprit de mon chéri qui commence après des années et des années à s'éveiller un petit peu plus à tout ce qui est développement personnel, bien-être, spiritualité, tout ça. Petit à petit, il voit qu'il y a des gens qui sont comme lui, en fait, qui commencent aussi à s'y intéresser. Donc, il se dit, en fait, ah ouais, en fait, même lui, quoi. Un fouteux et tout comme moi, en fait, il s'y met, lui aussi. Putain, va peut-être falloir que je m'y mette. Non, mais du coup, c'est chouette parce que Greg, il est vachement motivé. Pour le Portugal. Et si tu restes assis parce que t'as peur de marcher, de tomber, tu vas jamais apprendre à marcher. Ouais, en plus, ça, on le sait, le truc, c'est que la pression fait que. T'as pas le droit à l'erreur. Non, c'est ça. Et c'est de la trajectoire en fait que tu prends. T'as pas le droit à l'erreur. T'es censé tout de suite être. Les mecs, je les vois, à 20 ans, ils essayent d'être un produit fini. Ils sont marrants parce que ça saute aux yeux quand t'as un peu le recul, que ils jouent un rôle à mort. Et en plus, on fait une pression au monde maintenant. Dès 15-16 ans, ils veulent passer pour des darons. Tac, je connais tout, je maîtrise tout. Bon alors les amis. J'étais tranquillement en train de passer un coup de serpillière. Et j'ai pas pu finir parce que l'accès à la salle de bain était bouché. La salle de bain est en quarantaine. Mais bébé, comment tu peux expliquer ça? Parce qu'en fait, ils peuvent pas avoir
les odeurs en vidéo, tu vois. Si on pouvait vous envoyer les odeurs derrière cette porte. Mamie. Le pire, c'est qu'il va falloir que j'y aille pour lui donner les lingettes, parce que les lingettes sont en hauteur. Et sinon, monsieur, il prend tout le paquet de lingettes pour s'essuyer son petit cucu. Oh purée, tu vas pas y aller, bébé, s'il te plaît. C'est ton tour. Non, ça va, tous les jours je le fais. S'il te plaît. Non, tous les jours je le fais. Non, mais là, je sais pas ce qu'il a mangé, mais sérieusement, mais je peux pas. Je vais vomir. Ben, moi aussi, vas-y, je vais prendre le service. Prends une bonne bouffée d'air avant d'y aller. C'est pas fini? Hein? Allô? Noah, c'est bon? Voilà. On a la fenêtre grand ouvert. Bon, sinon, j'ai eu ma mère au téléphone ce matin pour lui annoncer la nouvelle. Et quand je lui ai dit j'ai un truc à te dire, elle a cru que j'étais enceinte. Je lui ai dit non, je te rassure, de ce côté-là, ça risque pas d'arriver. Ça va aller là-dedans où on appelle les pompiers. Et du coup, je lui ai dit ben non, on a trouvé une maison au Portugal. Et là, elle me dit mais je sais, tu l'as dit dans ton vlog. Donc, maman, merci de regarder mes vlogs. Je t'aime. J'ai oublié de te dire, maman, t'as oublié de laisser des pouces bleus et des commentaires. Voilà. Regardez ce que monsieur le boucher nous a gentiment donné. Regarde ce qu'il a donné monsieur le boucher pour Tairo. On voit pas. Tairo, t'es trop gros. T'as trop de poils. Qu'est-ce que tu fais? Tu te régales? C'est quoi? Il se régale. Oh, merci monsieur le boucher. Il y a aussi la pâté pour chien. Allez, bah, ça va te faire les dents. Ah, ça va te faire les dents. T'es content, là. Oh, ça change des croquettes. Hein. Oh, oui, ça change des croquettes. C'est bon? Vas-y, on va voir qui va mater l'autre. Attention, duel de chaussettes, top départ. Ça y est, il t'en reste plus qu'une. Allez. Non, Noah, mais tu dois pas enlever la tienne, tu dois enlever celle de Yaya. Et lui, il doit enlever la tienne. Attention, il va te l'enlever. Enlève-lui la tienne, vite. Ah, ça y est, il va boudiner dans son coin parce qu'il a perdu une chaussette. Et vous êtes... Bientôt Pâques, Mamie Moon. Dans quelques jours. Alors, regarde ce que maman t'a préparé. Attends, je crois que j'ai mon écran qui est très sale. Parce qu'on voit mal. C'est mieux, là? Ah oui, c'est bien mieux. Je crois qu'il y avait des petits doigts tout craquants qui m'avaient tout sali. Alors, regarde ce que maman t'a préparé. Vers quoi? Alors, tu vas choisir un papier que tu veux. Parmi ceux-là, tu peux découper des petits bouts. Là, tu as des jolis papiers. Regarde ce que maman t'a mis, là. De Pâques, je veux cela. Alors choisis quelle couleur tu veux. Du brillant, du pas brillant. Tu peux mélanger un petit peu de ça avec un petit peu. Pas brillant. Du pas brillant. Moi, c'est que je veux du... Celui-là? Allez, c'est parti.